Dieu quand il guérit définitivement. Amen. Dieu quand il guérit, amen. Vous voyez que la médecine est limitée et c'est Dieu qui guérit. Amen. Jamais. Est-ce qu'on peut se tenir des mots? C'est le guide spirituel. Nous voulons te rendre toute la gloire, merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci de nous conduire, merci de nous bénir. Utilise ma personne, bénis chacun d'entre nous. Au nom de Jésus que je prie, amen. Voilà, veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Voilà, je dis un peu parce que nous sommes pris par le temps. Ça, c'est très important. Amen. Amen. Le pasteur gère la première partie. Je pensais que tout ça était fait avant que j'arrive, mais pas grave. Que Dieu bénisse. Amen. Vous êtes à l'église Pentecôte Authentique Internationale de Paris. Alors, soyez bénis. Nous avons commencé des séries d'enseignements sur les dons spirituels. Pour ceux qui viennent d'arriver, que Dieu bénisse. Si vous ne venez pas seulement pour venir pour rencontrer Jésus, ça c'est plus important. On a l'impression de voir des gens qui ont besoin d'un miracle, qui repartent et tout ça. Les fidèles de l'Église, que Dieu bénisse. Amen. C'est ça qu'on dit fidèle. Amen. Amen. On ne dit jamais avec, on dit fidèle. Voilà, ceux qui sont fidèles à la communauté. Amen. Dis à quelqu'un, soit fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Amen. Amen. Pour d'autres personnes, c'est votre première fois, que Dieu bénisse aussi. Amen. Nous accueillons par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse. Et le Dieu que nous prions, le grand Dieu puissant, le Dieu des Hébreux, résout tous vos problèmes. Amen. Amen. C'est Dieu qui agit, ce n'est pas une personne. Amen. Amen. Le prophète Casso est homme comme vous, qui a aussi connu Jésus, comme toi, qui a aussi expérimenté Jésus-Christ, comme sauveur et Seigneur personnel, né dans une famille musulmane. Dieu a fait seulement la grâce de le connaître. Et aujourd'hui, il fait de moi son serviteur, que son nom soit béni. Amen. Voilà, c'est toute une grâce. C'est toute une grâce. Amen. Je l'ai servi. Tu n'es pas obligé. Mais c'est ce qu'on appelle une grâce. C'est un don de vérité. Amen. Alors, c'est Dieu qui va me relayer, frère. Nous allons, n'est-ce pas, passer à l'enseignement. Merci, c'est plus fatigant. Nous sommes en train de voir des dons spirituels. Je suis en train de former l'Église de Dieu. Amen. L'Église, c'est l'ensemble des croyants. L'Église, c'est l'ensemble des croyants. C'est-à-dire, si tu as cru à Jésus, et moi j'ai cru en Jésus, nous sommes Église. Amen. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment que nous voyons. L'Église, c'est l'individu que tu es. L'ensemble du corps de Christ. Amen. Amen. Alors, Dieu, dans sa souveraineté, ce qu'il aimerait, c'est que tu puisses connaître des choses spirituelles. Amen. Amen. Et la Bible dit, par forme de connaissance, mon peuple périt. La plus grande maladie, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est la plus grande des maladies. Or, la Bible, comme on le dit, c'est une bibliothèque. Il y a tellement de choses dedans. Amen. Amen. Et la parole de Dieu est la nourriture de nos âmes. Amen. Amen. C'est la nourriture de ton âme. Amen. C'est ce que Jésus dit. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de foutou. Du bagalier, de sauce bleue. Ouais, sauce bleue, c'est terrible. Hein? Sauce bleue. Polo, là, c'est la peau de bœuf. Les Ivoiriens, ça va plus sa polo. Amener le bagalier, sauce grecque, accumulé dedans. C'est trop terrible. Souvent, moi, ça matin, ça dépend. Alléluia! Amen. Voilà, que tu es. Souvent, c'est matin à manger.
Souvent, tu manges ça en bataille. Ça dépend, hein? ça dépend de toi, c'est pas tes humeurs. Tu manges ça propre et puis tu vas. Oui, si vous voyez café, non, on mange ça pour l'enfant. On mange ça, on va faire des grosses. Ça dépend de ton estomac. Amen. D'autres ont un problème de digestion. Donc, on mange ça, c'est l'homme, on a la force d'aller chasser les démons. Alors que Dieu bénisse. L'homme ne vivra pas de pain. Jésus parlait de pain parce qu'en tant que juif, leur alimentation, c'était le pain. Amen. Je nous étudie un enfant le pain, lui, ça ne veut dire rien. À Dibo, c'est la kéké, il va foutre tout ma terre. Le petit mange, il va à l'école. Donc Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Pour être équilibré, un être humain, pour être équilibré, on n'a pas que le physique, mais on a aussi l'aspect spirituel. Alors si ton âme n'est pas alimentée par la parole de Dieu, il y a un déséquilibre. Est-ce qu'on me saisit un peu? Il y a un déséquilibre. Parce que l'homme n'est pas que physique, il a aussi l'aspect spirituel. C'est pour ça qu'un homme, d'abord, qui ne se convertit pas, qui n'a pas Dieu, il est déconnecté du spirituel. Et quand il y a cette déconnexion du spirituel, vous êtes vulnérable. Tout peut vous arriver. Est-ce qu'on me comprend? Amen. On m'a bien saisi. Amen. Quand tu es déconnecté de ton Créateur, tout peut t'arriver. Amen. Ça va? Amen. Amen. Alors Dieu dans sa souveraineté, regardez, la connexion qu'il y a avec Dieu, l'homme est avec Dieu, dans le jardin, Dieu venait tous les soirs communier avec l'homme, jusqu'à ce qu'il y ait péché. Péché qui venait de la désobéissance. Amen. Amen. Il y a eu la déconnexion. Alléluia. Amen. Alors Dieu va dans sa souveraineté régler cette connexion d'avec Christ. Et c'est le symbole de la croix. Amen. Amen. La croix, c'est comme ça. Il prend tout le monde, peu importe ce que tu es, peu importe ta race, peu importe ton état. Dieu accepte tout le monde. Dieu quelqu'un, il accepte tout le monde. Il accepte tout le monde. Ça va? Dieu quelqu'un, Dieu accepte tout le monde. Il accepte tout le monde. Alléluia. Avant pour vous choquer, Dieu aime les mauvaises personnes. Voilà, oui. Il dit, je ne suis pas venu sauver les justes, mais les pécheurs. Amen. C'est tout. Il dit, je suis venu sauver les pécheurs. Oui, il y a des gens qui pensent qu'ils sont, ils sont mieux que les gens. Et ils font toujours le procès des gens. Frère, on dit la race humaine est pécheur. Ça veut dire que tu es pécheur. Tu es pécheur. Sur ça, si tu peux aider, il faut aider. Amen. Et puis tu fais le procès. Nous sommes condamnés par notre nature. Notre nature adamique là, nous condamne vis-à-vis de Dieu. Amen. Alors si tu penses voir l'erreur dans la vie de ton frère, il faut l'aider. Parce qu'il ne fait pas mieux que lui. Péché, c'est péché. On a bien saisi. Il faut aider les gens, de les blâmer. Alléluia. Il faut soutenir les gens. Amen. Il a dit que vous êtes les plus forts, soutenez les faibles. Vous m'avez bien saisi. Personne n'injustice cette terre. Alors Jésus, il accepte tout le monde et puis nous réconcilie avec Dieu. On m'a bien saisi. Il nous accepte que nous sommes, tout le monde d'ailleurs. Et puis nous réconcilie avec Dieu. Et quand il n'y a pas cette connexion, un être humain, avec son Créateur, la Bible dit que l'homme est mort. C'est-à-dire que tu meurs, quoi que tu sois vivant. Il y a une mort spirituelle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout peut arriver. Tu es vulnérable aux attaques de la sorcellerie. Tu es vulnérable aux attaques des ténèbres. Tu es vulnérable aux touches des œuvres des ténèbres. Amen. Parce que tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté. Et c'est pour ça que c'est important de marcher avec Dieu. D'avoir Dieu dans votre vie. Il faut que Dieu soit dans notre vie. Tu as quelqu'un, il faut que Dieu soit dans notre vie. Il faut que Dieu soit dans notre vie. Ça va? On m'a bien saisi. Amen. C'est ça qu'il faut aider les gens, peu importe ce qu'ils sont. Aidons-les, soutenons les gens, aidons les gens, évitons de blâmer les gens. Nous ne sommes pas les juges. Dieu se dit d'ailleurs, qui es-tu pour juger ton prochain? Lui-même le dit, qui es-tu? Amen. S'il tombe, je suis capable de le relever. Lui-même le dit, qui es-tu? Amen. Amen. Je me souviens, j'ai un orphelinat en Afrique. Et j'ai une fillette. Elle avait une sale, excusez-moi, une sale vie. Et je juste aider la vie. Mais le conseil de ses parents, ça dit que les parents
ne créez pas cette motivation. Non, tu sais, est-ce que tu peux? Je décide d'aider votre enfant. Au lieu de m'aider, aider votre enfant, vous criez, vous... Donc je récupère l'enfant. J'ai dit, c'est encore un danger si je vous laisse l'enfant. J'ai dit, si l'enfant que vous voyez là, si l'enfant n'est pas dans un cadre sain, où les personnes croient, il sera difficile qu'elle évolue. Alors, donc, moi, vous donnez raison même de la récupérer d'ailleurs, parce que vous-même, si vous la laissez, vous allez la détruire. Et ce sera que souvent la société détruit les individus. Ton environnement peut te détruire. Amen. Amen. Ah oui. Donc, je recoupais aujourd'hui cette fille qui était rejetée, cette fille en qui on ne croyait pas, qui est en train d'aller, elle est deuxième premier de sa classe, deuxième premier de sa classe, deuxième premier de sa classe. Et j'ai créé une motivation. J'ai dit, nous croyons en toi. Démontre-nous que nous avons eu raison de croire en toi. Sinon, de l'autre côté, les gens disent, c'est fini pour toi. Pour nous, rien n'est à... Tu peux encore aller de l'avant. Frère, si vous pouvez aider les gens, aidez-les. Vous comprenez? Aidez-les. Les gens, vous pensez qu'ils sont inutiles, ils peuvent devenir utiles à la société. Amen. Tout dépend de ce qu'on apporte. Si vous apportez du négatif, mais qu'est-ce que vous attendez? Le résultat sera négatif. Alors qu'est-ce qui est en toi? Si c'est quelqu'un, c'est du bon en toi, mais c'est le bon que tu communiques. Ah oui, on ne communique, on ne donne que ce qu'on a. Si tu penses que tu es bon, pourquoi le bon que tu as, tu ne donnes pas à l'individu que tu penses qu'il est mauvais? Et au contraire, tu le détruis. Ça veut dire que toi-même, tu es négatif. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Alors c'est ce que Dieu voulait expliquer par la perfection de Jésus. L'homme était déjà condamné d'être par sa nature. L'homme était condamné. L'être humain méritait l'enfer de par sa nature adamique. On est pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et comme Dieu, il est bon, il n'avait pas pensé à ce que nous sommes. Il a dit, Dieu aimait le monde, il a donné son fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Alors Dieu dort sa vie pour nous sauver. Amen. Donc aimer, c'est dormir pour sauver. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. M'a bien saisi? Amen. C'est ça que la Bible dit. Celui qui prétend aimer Dieu, qui ne voit pas et qui est son prochain, est un menteur. Il dit, j'aime le Seigneur. Et toi, tu vois quelqu'un, tu n'arrives pas à l'aider. Tu ne peux pas apporter quelque chose de plus. La Bible dit, tu es un sorcier. Je préfère l'expression sorcellerie. Tu n'as pas vu Dieu, tu n'as jamais vu Dieu, et toi tu blâmes quelqu'un, tu prétends ce que tu es mieux que lui. On ne sait jamais l'avenir. Ah oui, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Ne voyez jamais un être humain comme quelqu'un qui est négatif. Dieu a bien réfléchi pour l'envoyer sur cette terre. Alors, l'être humain a aussi un instrument de la main de Dieu pour aider chaque individu sur cette terre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais blâmer. Parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Il ne faut jamais frapper ta poitrine parce que tu n'as rien d'ailleurs. Amen. Dis à quelqu'un, tu n'as rien. Amen. Oui, nous sommes rien. C'est la vérité, nous sommes tellement rien que c'est la grâce de Dieu. Et quand tu vois d'autres personnes parler, mais tu dis, mais ce monsieur, est-ce qu'il va dormir? C'est même compliqué, il dort, il ne sait même pas où il est, il se réveille le matin. Est-ce qu'il est vraiment conscient pour blâmer son prochain? Alléluia. Moi, ma prière, je veux être toujours un instrument de la main de Dieu pour apporter quelque chose à l'humanité. Amen. Je veux laisser quelque chose à l'humanité. Quand on parle de toi, on vient. Amen. En apportant quelque chose. Quand quelqu'un dit, quand vous voyez quelqu'un en train de faire toujours le procès, condamner les gens, c'est qu'il est mauvais. C'est ce qui est en lui. C'est ce qui est en lui. Quand quelqu'un aime, connaît Dieu, il va toujours aimer l'être humain qu'il voit. Parce que l'être humain, il est sacré. Un être humain, il est tellement sacré parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Faire du mal à un être humain, c'est comme tu fais du mal à Dieu. Amen. Ça va? Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. 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 Si tu peux aider, l'être humain est tellement sacré que en faisant du mal à un être humain, tu fais du mal à Dieu. Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu ne m'élimine pas?
Quelles que soient les œuvres qu'il fait, il avait cette capacité de le faire. Mais Dieu espère, il croit en lui. Il croit en lui. Ça va? Si nous pouvons le faire, apporter. Sur le fait que l'Église, dans l'Église, l'Église doit partager l'amour. C'est-à-dire, faites connaître Christ au travers de l'amour qui se dégage. Dans notre langage, dans notre regard, dans notre quotidien, on doit manifester l'amour du prochain. C'est pour ça que les commandements de Dieu sont deux grandes choses. Tu aimeras Dieu, bien sûr, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, et ton prochain corps. C'est un commandement. Le commandement n'a pas besoin de te consulter. Ça s'impose. Il y a quelqu'un, le commandement s'impose. C'est un commandement, ça s'impose à toi. Vous comprenez? Le feu vert, feu rouge, feu vert, ça ne demande pas tes humeurs. Le tueur feu, si c'est le rouge, tu t'arrêtes. Il dit, bah non, mon fils, j'avais la peine que mon fils est en train de faire une crise. Faut griller le feu. La loi va te condamner. Vous comprenez? Donc cela ne dépend pas de toi. La Bible, il faut aimer ton projet, il faut l'aimer. Voilà, il faut l'aimer, point barre. La Bible, c'est ça. Ça va? Amen. Parce qu'il faut qu'on trouve l'église, il faut qu'on trouve l'amour même dans l'église. On a l'impression même que dans l'église, même, ça copie. Ok, merci, chef. Amen. Le problème de l'homme n'est pas notre problème. Mais c'est pas étonnant parce que c'est typiquement parlant. Jésus même dit dans Matthieu 24, même dans l'église, il y a trouvé l'abomination de la désolation. C'est pas étonnant. Mais le chrétien, il doit imiter Christ dans l'amour. Et la Bible dit que votre amour soit sans hypocrisie. L'amour, ce n'est pas parce que l'autre m'aime que je dois l'aimer. Mais non. Ça va? Que Dieu nous aide. Moi, ma prière, c'est que Dieu m'aide davantage à aimer. Parce que quand vous aimez, vous accomplissez la loi et les prophètes. C'est tout. C'est d'aimer. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas jamais le critiquer. Si tu aimes quelqu'un, tu aimes un être humain, tu ne vas jamais avoir une pensée négative de cette personne. Amen. Combien sont ceux qui ont des pensées négatives, même quand ils vont prier dans la présence de Dieu? La Bible dit que si tu penses avoir quelque chose contre quelqu'un, laisse-la ta prière, va te réconcilier. Il y a des gens qui ont des mauvaises pensées, ils pensent que Dieu. C'est pour ça que Dieu ne coupe pas beaucoup les gens. On prie, oh, on a des mauvaises choses pour quelqu'un, on vient de parler, excusez-moi, votre bouche est comme des égouts. Parce que quand tu critiques quelqu'un, ta bouche, ça fait comme des égouts, devant Dieu. Toi, tu es qui? Amen. Ça va? Amen. Aidons nos prochains, apportons, faisons du bien autour de nous, aidons les gens. Amen. Moi, c'est ma prière. Que Dieu m'aide à nous donner plus de degrés d'amour. Plus nous serons amour, plus nous accomplirons la gloire de Dieu. Amen. Alléluia, ça va? Amen. C'est pour ça que par moments Dieu permet que certaines choses nous arrivent, parce que nous sommes toujours prêts à faire des procès, nous sommes toujours prêts à faire pour moi que Dieu ne nous accorde pas certaines bénédictions, parce qu'il trouve que ce n'est pas normal qu'il nous bénisse à cause de notre cœur, notre manière de voir la vie. Amen. Dis à quelqu'un dans ton prochain. Dans ton prochain. Ça va? Alléluia. Amen. C'est facile de le dire, hein? Mais la Bible, il le met en pratique. La Bible ne vous bornez pas seulement à écouter, mais à mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Moi, franchement, j'ai dit aux gens, j'ai dit, avec ce que je sais de la parole de Dieu, fais la politique, moi. Heureusement que je suis un homme religieux. Je me plains. Parce qu'il y a la politique, il y a les choses qu'on fait. Il y a un mensonge des temps. Il y a la trahison des temps. Et puis, il y a tuerie des dames. Tu le jettes, il va te tuer. Je lui avais dit, non, moi je suis au pouvoir, mes mains sont propres. Tu es un menteur. T'es quel mec propre? J'ai jamais tué, tu mens. Je vous ai dit que même critiquer quelqu'un, vilipender quelqu'un, c'est un cri du sang. Je vous enseignais ça ici, dans Lévitique. Celui qui les calomnie, c'est un cri de sang. Je vous ai expliqué ça ici. Je vous ai bien expliqué, si calomnier quelqu'un, c'est un cri de sang parce que tu agresses son âme. Parce que quand tu apprends ce que quelqu'un dit sur toi, tu n'es pas à l'aise, c'est ton âme qui se remet en toi. C'est comme il répondait comme ça. Je vous ai déjà expliqué ça ici. Amen.
On a plusieurs personnes, on les sent dans leur main. Quand ils crient, Seigneur, je ne les écoute pas. Et je n'ai jamais tué. Et ce qui t'a fait hier en insultant sa vie, c'est vous. Ça va? C'est pour ça que certains jours, Dieu reste indifférent. Il n'agit pas. Souvent, les gens, tu pries pour eux, il n'y a pas de miracle. Ils accueillent donc le Dieu de leur vie et de vie anti-miracle. Quand tu fais un miracle, ça fait plein, c'est comme une balle qui frappe, on dit ça avec vous. Ça vient de lui anti-miracle, anti-guérison, anti-solution. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens n'aiment plus quand vient à l'église. Mais quand, en dehors de l'église, quelle est la vie qu'on mène? C'est ça le point d'interrogation. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie. C'est au-delà de la religion. C'est pas ce qu'on voit. Ici, on est, tout le monde est pieux. Tu vois, le vieux avec quelqu'un, on descend aux anges. Ouh, ici, tout le monde, on est pieux. Au-delà de l'église, c'est ça la vie chrétienne. Parce que la chrétienté, c'est une vie. C'est pas une religion, c'est une vie. Que Dieu nous aide, amen. Qu'est-ce que tu fais pour ton prochain? Quand tu apprends ton frère dans les difficultés, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es touché? Ah oui, c'est ça le point d'interrogation. Quand tu as ton frère dans les difficultés, est-ce que toi, tu es vraiment touché? Dieu a été touché de voir l'humanité vers sa guérison. L'humanité allait à l'enfer. Il dit non, je ne laisse pas l'humanité. Il faut que moi-même, je puisse pouvoir aux besoins de l'humanité en donnant mon fils. C'est ce que Dieu a fait. Dis à quelqu'un, tu as besoin que ton cœur soit transformé. Ça va? Amen. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Ma première des choses, je prie toujours mes pensées. C'est pas grave. Il faut que l'Esprit de Dieu contrôle nos pensées, nos manières d'agir. Et surtout, il ne faut jamais faire du mal à quelqu'un. Parce que le mal revient toujours à celui qui le fait. Si tu n'as pas payé, ta descendance payera. C'est une loi. Amen. C'est une loi. C'est une loi. Amen. Vous avez saisi? Amen. Depuis un moment, j'ai commencé à éclairer les hommes politiciens sur la vie politique, la vie. Mais je suis très loin. C'est, mon métier, la politique, c'est opposé. Amen. Amen. Non. C'est vrai que je suis citoyen. Mais opposé. Alléluia. Amen. On peut donner des conseils aux gens pour éviter beaucoup de choses. On peut même ne pas tuer pour être conscient d'un politicien. Un politicien peut ne pas tuer. Il est un vrai politicien. Est-ce qu'on a oublié de mentir pour être politicien? Est-ce qu'on a oublié de tuer pour être politicien? Non, il y a des gens quand même qui font la bonne politique. Quand je vous donne l'exemple de Mandela, qui est venu, qui pouvait même s'éterniser au pouvoir. Parce qu'il a payé le plus près là. 25 ans de prison. Il sort, il fait un seul mandat. Il s'en va. Les gens sont étonnés. Oh, mais n'oubliez pas, c'est les bonnes choses. Et vous voulez vous éterniser au pouvoir, c'est juste votre meilleur. Amen. Amen. Quand on va parler, on dit, ah, il est quel éthini? Il parle comme ça, mais il est quel éthini? Mais non, c'est pas question d'éthini, pour plaisir les gens. Puis allez-y. Soyez là pour nous porter des conseils. Ça, c'est important que Dieu nous aide. Amen. Vous voyez que le monde entend l'Afrique. Les gens dépassés de l'Europe n'est pas dans notre histoire. Aujourd'hui, toute l'Afrique, pour un problème d'élection, il y a des psychos, on a peur. Est-ce qu'on peut toujours avoir peur parce qu'il y a une élection? On doit avoir peur. Mais c'est l'esprit dans lequel les gens organisent les élections qui font peur aux gens. Amen. Amen. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes. Mais c'est ça. C'est ça qui fait peur aux gens. Ils ont vu dans le passé. C'est bien normal, c'est ce qui est en train d'arriver. Amen. Donc les gens ont peur. Que Dieu nous aide. Amen. L'Afrique. Les gens disent non, sont pas africanistes. Excusez-moi, je ne suis pas africaniste. Ça ne veut pas dire que je suis contre les blancs. Non, c'est différent. Parce que les gens qui ont entendu panafricaniste, ça ne veut pas que je suis blanc. Non, hein. Ça veut dire qu'on aime sa patrie, on aime l'Afrique. C'est ça. Amen. Amen. Alors si j'aime l'Afrique, il faut aussi collaborer à ceux qui ont aidé l'Afrique. J'ai fini par comprendre que c'est nous-mêmes qui détruisons la vie. Amen. 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 Ah oui, c'est la vérité. Peut-être d'autres diront le contraire, mais c'est la vérité. Parce que quand les gens viennent chez vous, c'est le contrat, ils parlent avec vous. Si vous voulez, ils s'installent. Si vous ne voulez pas, ils sont. Amen. C'est pour ça que l'Afrique va commencer à mettre dans chaque village
dans chaque campement, des villages, des écoles. Commencez à préparer l'Afrique. Pour moi, cette Afrique-là, il faut la préparer ces 50 ans. Voilà. Il faut la préparer ces 50 ans. Sinon, nous, déjà, on a déjà les premières générations sacrifiées. Aussi, c'est un système. Donc, il faut projeter. Malheureusement, les Africains ne sont pas futuristes. Ils ne pensent pas à demain. C'est l'erreur et c'est le mal de l'Afrique. Le mal de l'Afrique, on n'est pas futuriste. On ne pense pas à demain. Or, il faut penser toujours à demain. Ah oui, il faut penser à l'Afrique dans un siècle. Il faut penser à l'Afrique dans 50 ans. Pour que l'Afrique se relève et se prenne en charge, c'est l'éducation. C'est l'éducation. On est d'accord, non? Ah, pour prêcher. Je suis en train de prêcher à beaucoup d'Africains dans cette salle, bien qu'il y ait moins de blancs. Je suis en train de prêcher pour que nous puissions comprendre en tant que l'Afrique, que si l'Afrique doit se relever, c'est l'éducation. Malheureusement, que nos parents, même, ils n'accordent pas d'intérêt. Un enfant, on le renvoie d'une classe, et ça dit rien, quoi. C'est les parents qui doivent créer la motivation. Vous comprenez? Qui doivent créer la motivation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les pays, tu parles à quelqu'un qui a fait l'université, tu as l'impression, tu dis, mais ce gars qui n'a pas fait la maternelle, il ne s'est même pas passé ce midi, il va faire quoi? Amen. Les Congolais sont là, ça va? Ça va. Dieu bénisse. On voit RBC, c'est ça, non? Brassard. Voilà, il y a plus de Brassard que RBC. Ah, soyez bénis. Vos Congo RBC, vous parlez toujours les gars. Comment vous allez évoluer dans les lignes là? Vos chaque télévision, c'est les gars là. Comment on peut comprendre ce qui se passe dans vos quotidien? Et vous voulez expliquer vos problèmes, tous ces temps, les gars là. Bonjour, le reste, c'est les gars là. Alors, les enfants sont en train de rire. Vous n'allez pas parler deux choses, deux phrases sans lingala. Mais c'est pour ça que vous avez un pays très vaste, scandale géologique. Mais vos problèmes, tous en lingala. Vous ne pouvez pas vous exprimer bien. Tout ça va passer en lingala. Aujourd'hui, même les Chinois sont en train d'apprendre français. Les Chinois sont en train d'apprendre français pour conquérir, pour venir, pour le marché de l'Afrique. L'Afrique, c'est. Les gens savent qu'aujourd'hui, c'est le continent d'avenir. Moi-même, Afrique, peut-être il ne sait pas. Mais le petit blanc, on a déjà mis dans sa tête que l'Afrique, c'est le continent d'avenir. Je me posais avec un jeune homme, un frère hier au téléphone, je parlais avec lui de la terre, le maraîcher que nous avons, les portions de terre, un hectare, ce qu'on peut avoir dedans. Il me demande si c'est vrai. Il me dit, bon, essaye. Tu peux ne pas croire, mais va essayer. Essaye, tu vas voir. Puisque moi je suis à l'intérieur du pays, j'ai fait une expérience, j'ai vu, j'ai dit c'est nous-mêmes qui créons la pauvreté. Sinon la richesse est là. Les pompons, vous voyez les pompons, si tu as trop dépensé, c'est 150 000 francs, c'est pas ça, moi ça fait de l'eau. Un hectare de pompons, en 3 mois, ça te fait 6 millions de francs. Ah oui, parce que tout est. Parce que c'est quand je suis, j'ai commencé, tu fais l'étude, essayer de mettre dedans que j'ai compris que les gens, moi, ils sont dans les hôtels. Les carrefours prennent ça, les grandes surfaces, ils viennent mettre déjà ça. Ils vont mettre la coupe pour récupérer. Ça va? Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je posais un vétérinaire, il m'a dit, est-ce que tu vois les poulets chez moi, au centre là-bas où je suis, j'ai fait l'élevage. Au centre de mon pays, là, il y a des moutons là, il y a plus de 11 bêtes, des athètes. Il y a des poulets de chair. Il m'a dit, tu vois les poulets de chair, quand tu vas dans les campements, dans les villages, achète sur moi, c'est 1000 francs CFA, la pondeuse. Pour acheter les coquets, que tu vois les coquets, c'est la production industrielle. Tu fais les coques, ils font un métissage. Le métissage là, quand il est janvier, c'est-à-dire en décembre, ça te fait 15 000 francs le poulet. Ça, c'est un million. Mais à l'intérieur, ça fait 10 000 francs parce que c'est pas trop. 100 francs combien? 1 million. Ça va là? Tu
Tu as pris 4 pieds, 4 pondeuses, non pondeuses, elle pond, elle peut faire 30, 20. Tu as au moins 4, 6, tu as 4 poulets. À la fin de l'année, tu as au moins 300 poulets. Dans les 300 poulets, là, il peut avoir au moins 10 coques. Et à la fin de l'année, tu peux avoir 1 million facilement, sans réfléchir. Ah oui. Amen. Amen. Ça va? Quelles sont les petites idées que je vous donne? Quand je disais ça à un de mes fils au téléphone, il dit, mais c'est pas, il dit, mais si c'est vrai, il dit, mais essaye. Essaye. Tu n'as pas, essaye, tu t'es conseillé. Chez nous, on a, en Côte d'Ivoire, il y a des vétérinaires canadais qui viennent, qui apportent des choses, des assistants. Tu le prends, il assiste, il t'assiste, et dans la cour, ou bien dans un campement, tu crées un campement, tu fais des poulets africains, ça te rapporte l'argent. Les bas-fonds qu'on voit là, le riz, maraîcher, là, il y a l'argent dedans. Ton parent ici en Europe, il faut la payer pour avoir combien d'euros? 50 euros. Ça fait 32 000 francs, c'est pas. Or, tu as la richesse. Et tu jouais ça. Amen. Ça va? Ils ont pas fait comme moi. Peut-être, je ne sais pas comment ils vont ici, mais nous, on a tout ce qui est bio là-bas. Vous avez des campements, des portions de terre, d'autres noms, 10 hectares, 50 hectares, une chapeau. Viens te faire délivrer. Dis amen. 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 Viens, on va te délivrer. Amen. 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 Si vous voulez des conseils, on donne des conseils. Simplement, c'est tellement simple et pratique. C'est qu'on dit, c'est plus pratique que tu ris. Pratique. En contact. Malheureusement, c'est comme. J'ai dit au frère au téléphone, dit, malheureusement, c'est les hommes honnêtes qu'on ne trouve pas. Sinon, il y a la terre. C'est les gens pour gérer, là, qu'on ne trouve pas. Malheureusement, oui, c'est ça le problème aussi. Amen. C'est un peu ça le problème. Mais Dieu, si tu as cette volonté de pouvoir avancer, tu remets ton problème à Dieu, Dieu gère le reste. Ici, si vous avez un salaire, le SMIC, ça ne va jamais suffire. Même si vous avez un salaire, 4 000 euros, vous avez un problème de 4 000 euros. Amen. Le salaire équivaut au problème que la société t'emmène. Tu as un problème de 4 000 euros, tu as un problème de 4 000 euros, tu as 10 000 euros, tu as un souci de 10 000 euros. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire des affaires. Il faut savoir où investir. On est en Afrique, pensez à l'Afrique, à penser à investir. Deux boulots, deux investissements, sous la terre. J'ai toujours dit, quand quelqu'un commence, il veut investir, il commence par l'EBA, il a échoué. Il commence par le cacao, il a échoué. Vous avez dit, mais comment? Parce que ça met du temps. Vous commencez par le maraîcher. Les tomates, vous voyez, les tomates, 50 saisons, c'est 2 mois, 3 mois. C'est des choses que vous faites pratiquement 3 millions, 4 millions, l'hectare. Ce n'est pas des choses inventées, c'est des choses étudiées, expérimentées. Les piments, vous voyez, il y a des sociétés à Abidjan, s'il vous plaît, sur Google, qui sont là et qui achètent des produits. Quand vous commencez d'être, eux nous font la coupe, vous dites, vendez-nous le mal, comme je vous dis. Même les gens, moi j'en ai fait, j'ai cultivé les gens. Amen. Amen. On se fatigue, mais il y a la portion de terre. La terre que nous a donnée, c'est une richesse. Ça vous va? Et que nous êtes amen. Voilà, c'est pour vous donner aussi les secrets de l'âme et ça. Parce que si à part la retraite, tu vas devenir sorcier. La sorcellerie, il va être tout jaloux, c'est sorcellerie qui vient. Il faut travailler la terre, il faut cultiver la terre. Dieu dit cultiver la terre. Ne jouez pas ça. Il dit bénira le bétamin. Dieu bénit le bétamin. J'ai jamais vu Dieu dans la maison qui dit Seigneur, je prie que Dieu verse les biens de l'eau dans ta chambre. Ça, c'est de la magie. Tu as prié, Seigneur, j'ai besoin d'un problème de 30 000 euros, puis le Seigneur verse. Mon frère, nous on dit même, c'est magie ça. Parce que pour que Dieu te bénisse, il faut que tu aies dans quelque chose. Il dit, bénis-le de ta main. C'est pour ça que je vous demande, en tant qu'Africain, sous les successeurs européens, allez-y faire la formation. Et chaque fois, je vous répète ça. Parce que c'est ce que vous avez comme connaissance, c'est ce qui est votre richesse. Amen. Ne vous limitez pas seulement à vigile, ou bien mettre chien, aller faire l'informatique, truc d'entreprise, et comme ça, demain, vous puissiez apporter quelque chose à la société. Tu es dans l'Europe, tu n'as pas dit non, je vais être chien. tu dis ça au village où je connais là, que toi tu es maître des chiens.
Ils vont nous voir, ils vont pleurer. Vous dites, mais c'est un scandale, notre enfant, c'est touché, il est parti en France. Or, ici, ça peut être Dieu. Amen. Ça va? Tu t'es bien chien, tu es dit. Chez nous, on voit ça tellement bizarre. Mais si tu as quelqu'un, il est vigile ici. Chez lui, c'est pas possible. Parce qu'il voit l'Europe comme la religion partout. Tu as bien la religion, toi, c'est gardien, tu vois. Il voit, papa, lui dit, c'est gardien, suivez les gens. Moi, il y en a rien. Et donc, s'il faut apprendre, il faut aller à l'école, il faut se. Ici, il n'y a pas d'âge. Il faut se perfectionner, il faut avoir une connaissance intellectuelle. Parce que le monde évolue avec ceux qui ont des choses dans la tête. Et c'est ça, l'Afrique est pauvre dans la tête. Ah oui. Et malheureusement, on met les paiements, on dit, je vois les choses, les visas, voilà au Canada, ceux qui ont tel niveau. Pas les gens sont des. Ceux qui ont bac plus tard, ceux qui ont les diplômes. Vous voyez, on les amène dans d'autres nations. Et puis, l'Afrique reste comme ça. Que Dieu nous aide. Il y a des Maliens ici. Il y a des Maliens ici. Vous savez, deux jours, je suis en train de regarder l'actualité du Mali. C'est quelque chose de très qui me touche. Je suis un peu l'actualité un peu de l'Afrique et tout ce qui est en train de se passer en Afrique. Vous savez qu'il y a plein de gens qui sont en train de mourir à cause des diabètes, c'est pas ça? C'est très bien. Et ça fait mal. De voir les gens mourir, on les tue, on les prie, et tout ça. Donc les gens me demandaient, souvent les gens, comme j'interviens un peu sur l'Afrique, un peu, et tout ça, donc, les gens me posaient des questions, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une source de malédiction derrière? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que même l'armée française est là-bas, et puis les gens s'entretuent, on les tue. Mais lui, il y a quelque part des signes de malédiction. Et les gens me disent, mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit, mais regardez votre histoire. L'histoire, c'est quelque chose qui nous rattrape demain. J'ai dit, votre premier président, c'est qui? Il dit, c'est Oligo Keïta. Très bien. Il est mort comment? Hein? Il était arrêté en mars 1968. Il est mort en 1977. Où? Après, pas l'histoire? En prison? En 1977, Modibo Keïta est mort en prison en 1977. Allez sur Google, faites des recherches. Vous allez comprendre, par un coup d'État, il a été renversé par un coup d'État. Il a dit des mots très choquants. Aujourd'hui, il entend de la frappe. Que Dieu nous aide, amen. Il y a trop de choses qui se passent. Que Dieu nous aide. Surtout que les Africains comprennent que eux-mêmes doivent prendre leur destin en main. On n'a plus besoin de faire la guerre en Afrique. Oui. On n'a plus besoin de ça. C'est-à-dire, là où on parle de guerre, il faut garder ça. Parce que le sang, quand le sang verse, parce que les gens me disaient, non, le tri, on n'a jamais. J'ai dit, mais il y a eu bien des sangs, il y a eu tellement de choses. Donc aujourd'hui. Alors que Dieu bénisse. Alors, je vais toucher le message du jour. Les dons spirituels, elle. Ça va? Les dons spirituels et les manifestations. Nous sommes l'église de Dieu. On a besoin de comment comprendre comment les dons spirituels se manifestent et comment Dieu agit. Amen. Amen. Vous savez, l'église de Dieu qui nous sort, nous sommes liés à la vie de Christ. On est d'accord avec vous? Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Ça veut dire qu'on est lié à la vie de Christ. D'autres disent non, on n'a plus besoin des miracles. On n'a plus besoin des choses. C'est-à-dire le jour où l'Église n'aura plus besoin des miracles, c'est que l'Église n'est pas de Jésus. On m'a bien saisi? Amen. Ça va? Amen. Le jour où l'Église n'aura plus besoin des miracles, dites, quand les pasteurs, il y a d'autres pasteurs qui disent non, on n'a plus besoin de miracles, on n'a plus besoin de miracles. Dites à cette personne, le jour où on n'aura plus besoin de miracles, c'est qu'on n'est plus l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça va, pasteur? Nous prenons la parole de Dieu.
Jean le chapitre 2, l'évangile, Jean chapitre 2, le verset 11. Ça va? Ok. Jean chapitre 2, verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus-Christ. Le premier des miracles que fit Jésus, Jésus transforme l'eau en vin. N'est-ce pas? Il a transformé l'eau en vin. Oui, tel fut le premier miracle que Jésus fit en Cana. En Cana. Regardez la suite. C'est pour nous intéresser la suite. Il manifesta sa gloire. On dit qu'il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Très bien, est-ce qu'on peut acclamer? On dit qu'il manifesta sa gloire et les disciples crurent en lui. En un mot, les disciples ne croyaient pas encore en lui. Vous m'avez saisi? Les disciples ne croyaient pas en lui. C'est quand la gloire de Jésus-Christ, il a manifesté la gloire par des miracles que les gens ont cru en lui. Quand les gens disent, vous partez à l'église pour les miracles. Mais c'est normal. Bon, j'ai un problème terrible de mon dévent. Ou bien je vais à l'hôpital, on ne voit rien. On me dit, il y a insuffisance rénale. Quand on dit insuffisance rénale, ou on greffe le rein, ou si tu n'as pas fait le greffage de rein, ben tu vas mourir demain. Parce que c'est une maladie incurable. Alors on a besoin d'une intervention divine. Puisque nous croyons en les sangs de Dieu. Quand on croit les sangs de Dieu, on s'attend toujours à un miracle. Ça va? S'il n'y a pas de miracle, rien n'existe pas. Donc, dans une église où Dieu ne se manifeste pas, mon frère, bonjour, et puis pardon. Vous et nous avons tout compris pour vous. Mais je promets que Dieu ne passe pas. La seule chose par laquelle Dieu répond, c'est la prière. C'est la prière. Je suis le plan intellectuel, j'ai des diplômes, mais les gens qui n'arrivent pas à s'expliquer. Toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Le statut que tu as, tu te dis non. J'ai déposé mes CV. Pas. Les autres, ils n'ont pas écrit. Mais moi, c'est moi qu'on ne prend pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Or, la frustration que tu vis prouve que c'est tout ton même Christian te dit, il y a problème. Tu ne peux pas avoir les diplômes que tu as aujourd'hui et puis chômer quand même tu es convaincu. Amen, amen, amen. 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 C'est de là qu'on a dit qu'il faut une intervention divine. Amen. Il faut que tu interviennes. Tu es belle femme. On te prend comme l'homme qui on te suce. L'homme c'est orange. Hein? L'homme qui. Ah, quelqu'un te prend. Pourquoi il peut le jeter là? Quelqu'un d'autre prend. Et puis après, tu fais parler le miroir, tu commences à avoir des rides, et puis tu pleures seul. Mais ça peut être des problèmes d'ordre spirituel. J'ai déjà parlé de ça ici. Amen. Parce qu'un homme, sa femme, et la femme à son nom. Là où est ce problème? Parce que Dieu, il est juste. Dieu n'est pas juste. Et le problème spirituel peut venir détruire ta destinée maritale. Amen. On va bien saisir. Amen. Encore, avoir un enfant est une bénédiction. Amen. Alors la Bible même dit, même la stérile enfantera sept fois. Amen. Dieu exclut même la stérilité de la Bible. Il dit non, la stérile elle doit enfanter même sept fois. Même si la stérile, elle doit même enfanter sept fois. Que le chiffre de la perfection le chiffre sept. Vous dites, c'est possible. Peu importe le diagnostic d'un médecin, Dieu fait le miracle. Allez chercher la définition d'un miracle, c'est une intervention divine, surnaturelle. C'est ce qu'on appelle le miracle. S'il n'y a pas de miracle, c'est la puissance de Dieu. Parce que Dieu, c'est le miracle. Et quand les gens disent qu'on ne pourra pas le miracle, mon frère, parce que j'ai besoin d'une intervention. Je suis physique, en tant qu'humain, j'ai fait ce que je pouvais faire, mais zéro. Ça se voit qu'on a besoin d'intervention de Dieu. J'ai vu des personnes atteintes de l'insuffisance rénale. Ce n'est pas des choses inventées, des papiers à l'appui. On finit l'examen, condamné par cette maladie. Ou des personnes pour lesquelles j'ai prié, la dame dit, si le prophète crasse au prix pour moi, j'ai cette condition. Et c'est ça la gloire à Dieu, c'est ça la foi en Dieu. Amen. Je n'ai rien dit, mais comment? Moi, je demande à la dame, comment elle dit non, je suis convaincu, Dieu m'a mis ça dans ma pensée. Amen.
Quand j'ai touché cette âme, elle est tombée sur la puissance de Dieu. Quand elle s'est relevée une semaine après, elle allait faire ses examens, elle est guérie de l'insuffisance rénale. Aujourd'hui, cette âme, elle a deux enfants. J'étais dans le village d'Aroko quand le monsieur me faisait un don un jour. Il m'a dit, viens, viens, Abidjan. Tiens, j'ai un cadeau. Je suis tombé du miracle que Dieu a fait dans ma vie. C'est ça le miracle. C'est pour ça que l'Église doit montrer aux gens que Dieu est vivant. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es homme de Dieu. Il faut qu'au travers de ton ministère, les gens découvrent la puissance de Dieu. Les gens veulent voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Pourquoi là pour venir distraire, qu'ils sachent soit écouter seulement la parole de Dieu. Il faut que cette parole de Dieu n'impacte sur leur vie. Il faut que la parole de Dieu impacte leur vie, impacte leur destinée. La Bible déclare, c'est que les disciples ont vu le miracle qu'ils ont dit, nous avons mon enfant. C'est le vrai chemin. Amen. Quand les gens sont malades, mais moi, tout arrive dans leur vie. C'est très important. Ça augmente la foi, ça booste la foi, ça fait du bien, que Dieu nous aide. Amen. Au fait que je suis en train de parler des dons. Alors dans l'évangile des gens, dans le chapitre 27, regardez. Quand on les gens disent non, chez vous là, on prie pour les gens. Il faut dire c'est parce que Dieu est là-bas qu'on prie pour les gens. Amen. Chez vous là, on prie pour les malades, c'est parce que Dieu est là. Parce que quand Dieu est là, il guérit. Quand Dieu est là, il se manifeste. La bonne Paul dit que mes paroles ne se reposent pas sur les discours seulement, mais sont dans une démonstration de la puissance de Dieu. Jésus a multiplié, transformé le en vin de hard. Ah bon? Ça peut se faire. On a quoi vu? Salut, monsieur. Amen. C'est toi qui connais ton évangile, j'entends, dans la porte. Jérémie, Ruth, Ézéchiel, c'est tout ça que tu connais. Celui qui veut l'arriver, il connaît pas tout ça. Tant que tu n'as pas touché par une action, il sera difficile que son cœur soit convaincu. Chacun a des problèmes ici. Quand quelqu'un voit une intervention divine dans sa vie, sa foi est boostée, monte dans le Seigneur. Il se dit non, mais Dieu existe. Oui. Et puis il reconnaît que c'est une intervention divine. C'est pour ça qu'il faut que Dieu permette. Dis à quelqu'un, Dieu est un endroit dans ta vie aujourd'hui. Amen. Amen. L'évangile ne doit pas être plat. Pourquoi vous voulez que l'évangile soit prêché comme ça? Pourquoi vous voulez qu'on prêche l'évangile très plat? Pourquoi vous voulez que l'évangile soit prêché d'une manière bizarre? Amen, papa. Vérité. Nous allons dans Jean le chapitre 21, le verset 25. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. J'attends pas bien la main. Est-ce que ça va? Amen. Jean, une église vivante. Amen. Allons-y. Jean chapitre 21, verset 25, c'est le dernier verset. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, on ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Alléluia! La Bible même dit que c'est le tiers, c'est-à-dire petit, une petite portion des miracles que Jésus a fait qu'on a écrit dans la Bible. Amen. Tu nous en as tellement fait qu'on ne pouvait pas écrire. Ça veut dire que le quotidien de Jésus s'était caractérisé par les miracles, par les guérisons, s'était caractérisé par les miracles et les guérisons. Ça va? La Bible même dit, il n'y a même pas de livre, il en a tellement fait de miracles qu'on ne pouvait même pas inscrire ça dans la parole de Dieu. Pour dire, le miracle, Jésus est caractérisé par le miracle. Regardez n'est pas sa naissance, regardez comment. Les gens qui disent que vous partez chez vous là-bas, on prophétise. Mais c'est parce que Dieu est là qu'il nous donne les révélations. Amen. Oui. Dieu donne les révélations. Amen. Dieu guérit. Amen. Chez nous, on chasse les démons. Amen. Un endroit où on ne chasse pas les démons, je pense. Ce n'est pas la peine. Ils vont rentrer dans vos oreilles, dans vos narines. Ils seront là avec vous.
Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Pasteur, tu prends Marc, le chapitre, à partir du verset 17. Je suis en train de vous faire comprendre que nous sommes une église vivante et nous ne sommes pas en déphasage de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes dans les normes bibliques. Marc, chapitre 16, à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles. Vous comprenez? Jésus dit, si tu crois en lui, voici ce qui doit t'entendre. Il dit miracle, c'est-à-dire des choses surnaturelles dans ta famille. Des choses surnaturelles vont caractériser ta vie. Il dit ceux qui auront cru. Alors, moi, si tu n'as pas cru, les signes-là ne t'accompagneront pas. On va bien saisir. Écoutez bien la parole de Dieu. Ce fait que chacun d'entre nous, sa vie, doit être caractérisée par des choses surnaturelles. Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que tu réponds, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus, avant de partir, il laisse le signe. Comment vous allez identifier, reconnaître moi mes messagers? Comment vous reconnaîtrez tous ceux qui parlent à mon nom? Il dit, voici les signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Allons-y. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Oui. S'ils boivent quelques breuvages mortels, oui, ils ne leur fera pas de mal. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et voici les signes. Je me souviens, en 2013, dans un village de Fresco, j'étais en plein programme d'évangélisation. Amen. Je disais dans ce village où les gens mouraient, un village, ça fait des... il n'y a pas courant, il n'y a pas de truc. Je parlais de la sorcellerie dans le village, de tout ça. Quand j'ai fini, je suis allé m'asseoir. Hein? Dès que je suis assis, on appelle ça serpentin, le petit serpent, c'est ça? C'est ça, on a serpentin. C'est ça? C'est un nom. Voilà, c'est serpentin. Non, pas serpentin. Le petit, c'est serpentin. Le petit du mouton, c'est l'agneau. C'est pas mouton. Il dit serpent, c'est serpent. Non, mais c'est serpent, mais son petit. Serpentin, amen. J'ai vu quelque chose qui a traversé mes pieds. On est au village, dont j'ai mis mes sandales. J'aime bien porter les sandales quand je suis au village, tout ça. Pour s'adapter au système, donc j'ai porté les sandales et puis je suis allé prêcher. Ça m'a mis un groupe électrogène, les gens sont venus en prêcher. Il y avait du monde. C'était le soir, 22h, on a prêché jusqu'à. J'ai prêché vers 1h du matin, je vais m'asseoir pour voir et j'étais assis. Et je vois les serpents monter. C'est-à-dire, j'ai senti, j'ai pensé que c'était un pas. Donc vous savez, j'ai sauté, j'ai regardé. Donc il y avait une torche. Et quand on voit la mission, on a les torches. Je prends une torche, tout le monde a disparu, tout le monde crie. Ah! C'est pas. Même les petits, c'est pas t'apparaître. Même son petit. Donc la Bible dit que nous avons écrasé les serpents. Il dit, toi serpent, j'ai pris, j'ai cherché. Bah! Quand j'ai tapé le serpent, j'ai une jeune fille qui est tombée là-bas en transe. Elle a hurlé tellement qu'elle a commencé à confesser en bondier. Frère, moi j'ai vu trop la puissance de Dieu dans ma vie. Elle a hurlé en Dieu. Vous m'avez eu. Je venais te tuer. Elle avait bien préparé la chose après ma prédication, bien assis. Et Dieu m'a assis. Ça marchait un peu sur mes pieds. Je dis, mais c'est quoi ça? Regarde, voici un petit truc. Boum, elle a commencé. Donc on l'a envoyé. Et cette fille a fait des aveux. C'est elle qui a lancé un serpent mystique sur lui. Attendez ta vraie histoire. J'ai dit, mais comment ça fait? Elle a fait une démonstration. Elle dit, parce que comment j'ai fait? J'étais là, moi, j'étais fou là-bas. Effectivement, j'étais dans la foule. Et bien, elle a envoyé, attendait l'occasion où j'étais peut-être pour me jeter ça. Ok. Pourquoi tu m'envoyais? Je savais une seule chose que tu allais, Dieu allait passer par toi pour me dénoncer. Il dit, ok, ça c'est intéressant. Tu fais quoi dans le village là?
Elle dit, oui, moi j'ai distribué le VIH aux gens. Oh. Ah, mais j'ai la vidéo et puis j'ai les photos et ça. J'ai dit comment ? À partir d'une sirène. Ah, ça commence à essayer. Ah oui. Donc j'ai dit, mais donc le VIH, on voit, il y a son spirituel, elle dit oui. Elle a fait combien ? Elle a donné à 60 jeunes dans le village. Hey! Ah, j'ai dit, non, c'est sérieux. Donc c'est sérieux. Bon, le maréchal demain, on garde à vous, n'est-ce pas ? C'est ça, on dit, on garde vue. On t'arrête, et puis maintenant on va voir bien clair dans cette histoire. Henri Sécurie. Et donc la fille, elle est là, elle parle. Elle a commencé à parler. Parce qu'elle était sous transe, parlait. Parce que là, c'est visible. C'est pas quelque chose. Elle a dit, c'était ta voix. Comment tu es tombé en transe? Elle se sait. Comment nous, tu le sais pas? Et c'est toi qui tombes. Frère, il y a des puissances occultes auxquelles on va t'amuser. Malheureusement, nous, les Africains, on fait de ça une richesse. C'est négatif, c'est négatif. Donc je suis venu, j'ai dit non, je sais que je vais me dévoiler. Donc elle, son système, c'est touché. C'est une fille aussi, quand il dit, elle n'a pas dit non. C'est pas dans son vocabulaire. Non. Elle est déjà fait. La tentative, ça, c'est déjà fait. Elle est déjà fait, elle pique. Il n'a pas dit, tu aimes les femmes, elle va t'injecter. Bon, c'est vraiment, elle va mettre c'est vraiment ton corps. Donc il dit amen. Elle a dit lui là-dedans. Le chien est énervé. Non, comment accuser? Elle dit si, tu as la maladie. Elle dit, non, bébé. Mais je ne sais pas, il ne veut pas la maladie. Donc il n'a pas ça. J'ai dit, viens, la petite, elle m'a demandé de s'amuser parce que moi-même, elle avait l'expérience, bon, ça va aller faire. Donc, venez, venez. Donc j'ai pris tout le monde. J'ai amené tout le monde. Matin. Et à partir de 14h, tout le monde était déjà là. J'ai arrêté tout le monde. Elle connaît. C'est ça aussi. Elle sait avec qui. Parce qu'elle sait bien ce qu'elle est en train de faire. Ok. 2 minutes. Non, ça ne peut pas être 2 minutes. Quand tu as la maladie, ça te déteste, ça ne va pas. Ils sont tous partis à l'infirmerie. Chacun vient, il pleure. C'est-à-dire celui qui rentre, il sort. Quand il sort, il pleure. Quand il sort, il pleure. Vous avez envie de discuter. Et nous, allez savoir discuter. Ils sont venus pour dire yes, c'est sérieux. Les choses qui se passent. Les choses qui se passent. Souvent, qu'il reste, nous restons incapables. Alors, on reste muet. On s'est dit, on a chipé cette maladie où? C'est quitté où? Et ça partit dans le cerveau. Je dis, non, ça peut même te donner AVC. Qu'est-ce qu'on appelle maladie ici? Tu ne connais pas l'origine. Tu ne sais même pas, et puis toi-même, tu es bizarre dans ta terre. Elle a tous pleuré. J'ai dit, bon, Yako, chez nous, quand il y a Yako, ça dit, bon, faut pleurer, il ne faut pas pleurer. Yako, il y a une solution. J'ai dit, tu as bougé ma vie, non, Yako. Donc, il y a dit, toute une jeunesse dans ce village, dont la vie est en train d'être détruite comme ça. Et donc, je les ai fait asseoir, tranquillement, et je parlais avec eux. Nous, on n'en voulait pas, cette fille. Elle animait d'un mauvais esprit. C'est les esprits négatifs et la nuit, donc faites attention. Ok? D'accord? Je commence à prier pour lui. Qu'est-ce que vous croyez en Dieu? Qui m'a dit croire en Dieu là? Qui m'a dit croire pas en Jésus là? Qui m'a dit croire pas en Jésus? Je leur ai dit non, c'est possible, le miracle est possible. Au nom de Jésus, Jésus va vous délivrer. Qui va pas croire? Toi-même, tu vois ni année, sorcellerie en direct, maladie. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, détruis, VIH détruit, priez pour les gens. Répatrie. Ils sont partis. Quand ils sont négatifs, le médecin, ils sont tous venus. Le médecin dit non, c'est trop tôt. Non, mais il a raison. Il dit c'est trop tôt qu'il y ait un résultat comme ça, vite. Je suis obligé d'attendre. C'est le village de certains petits là qui était avec nous. Philippe, je me suis laissé. C'est là qu'il m'a connu. Ils sont revenus. Une semaine après, l'infirmier, il est parti par la guérison que les gens venaient de recevoir. Amen. Jusqu'à le médecin, l'infirmier, il le cherche. Il dit, je veux voir cet homme de Dieu là. Amen. Hein? Et nous,
soyez moi-même là. Je ne suis pas épaté par ça. Je découvre quelque chose qu'il ne savait pas. Je savais qu'il y avait des maladies mystiques, mais au point même de détruire une jeunesse comme ça. C'est comme ça, il y avait une épidémie dans un village et personne ne savait ça. C'était caché. Vous comprenez? Il y a des choses, et le soir, à ma croisade, tout le village, vous savez que la communication au niveau du village, c'est de bouche à oreille. Tous les villages alentours sont venus. Des milliers de personnes sont venues à la croisade parce qu'ils ont vu le miracle. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'une église vivante du Christ, Dieu doit se manifester. Ce n'est pas seulement que la parole de Dieu. On ne prêche pas que ce soit dans la parole de Dieu, mais Dieu doit être en action dans cette église. Dieu doit se manifester amen. Dans la vie de l'orateur. Après avoir prêché la parole de Dieu, il a besoin de démontrer la puissance de Dieu. Comme l'apôtre Paul, et ma parole ne reposait pas sur les discours. Amen. Seulement, mais aussi dans une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Nous sommes une église pentecôtiste. Dans cette église, Dieu existe, les vivants. Amen. Alors si Dieu est vivant, Dieu doit se manifester. Amen. Si Jésus ne faisait pas de miracle, je n'allais jamais croire. Ah oui. Ça m'engage de moi. C'est ce qui m'a amené à croire Jésus. Amen. Amen. Jésus est vivant. Qu'est-ce qu'il prouve? C'est parce qu'il m'a délivré que je crois en Jésus-Christ. Regardez la parole de Dieu dit, Jésus a tellement fait des choses dans Jean le chapitre 21, le verset 25, c'est le dernier verset de l'évangile de Jean, qu'on ne peut même pas écrire. Ça veut dire que le quotidien de Christ, c'était des miracles. Tu viens à l'église, qu'est-ce qu'il faut que Dieu change ta destinée. Il faut que Dieu transforme ta vie. Il faut que Dieu agisse. Ça sera que Dieu a besoin d'équiper l'église de tout ça. L'église doit être équipée des dons spirituels. L'église doit être équipée de la puissance de Dieu. Afin que Dieu puisse nous parler quand il s'agit de parler. Afin que Dieu puisse nous guérir quand il s'agit de guérison, maladie. Quand il y a un cas difficile, il faut que Dieu intervienne par le miracle. Quelle église on prêche, on ne voit pas de miracle. Dieu est où alors? Dieu est où? L'église. Amen. Amen. L'église est caractérisée par les signes. Ce sont nous parlons des dons spirituels. Et la Bible dit, il ne faudrait pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est pour ça que nous sommes en train d'éclairer le peuple de Dieu que nous sommes. Il faut que nous soyons éclairés. Amen. Amen. Il faut que nous soyons éclairés sur les choses de l'esprit. Les dons spirituels et leurs manifestations. On a parlé des manifestations des dons. Il y avait 9 dons en 3 catégories. Amen. Amen. Le groupe, les dons vocaux, n'est-ce pas, d'expliquer la parole, la prophétie, parler en langue, n'est-ce pas, et l'interprétation des langues, n'est-ce pas, 3 choses, n'est-ce pas? Amen. 3 choses. Et on a parlé de quoi? Dons d'inspiration, parole de sagesse. C'est quoi la parole de sagesse? Parole de connaissance, c'est quoi? Non, c'est la sagesse qui oriente. Mais la parole de connaissance te dit exactement ce que tu as et puis touche ton problème à l'instant T. Vous comprenez? C'est ça la parole de connaissance. Connaissance. Ça veut dire que tu dis les choses que tu sais. Voilà. Pas les choses que tu ne sais pas, c'est la connaissance de la parole de connaissance. Amen. Amen. Alors, j'ai parlé aussi de quel don? Le don de discernement. C'est là, Dieu te donne la possibilité de discerner. Tu sais que telle personne a un tel esprit, telle personne a tel démon, telle personne. Ça, c'est le don de discernement des esprits. Amen. Amen. Le don de discernement des esprits. Amen. Amen. Souvent, ça se manifeste. J'ai l'impression de sentir les trucs négatifs. Quand je suis dans le village, quand je vais dans un endroit, j'ai l'impression que dans mon corps, je sens des vibrations. J'ai senti là, il y a des esprits. Amen. Ah oui. Oui, mais c'est ça. C'est comme ça. Quand j'ai un esprit quelque part, je le sens. Immédiatement, je sais. Amen. Amen. Le don de discernement des esprits. Amen. Tu as l'impression que ton intuition. Non, quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu prend ton esprit, il parle à ton esprit. C'est à partir de ton esprit qu'il travaille.
Pendant que la personne fait les paroles, Dieu dit non, il n'est pas dans la vérité. Amen. C'est ça le don de discernement des esprits. Amen. Et on a parlé des dons de puissance. Dans les dons de puissance, on a parlé de la catégorie de dons de guérison. On vous dit, Dieu peut vous donner ces dons. Ce n'est pas seulement que le prophète Crasso qui doit être limité à ça. Dieu vous donne le don de guérison, le don de miracles, le don de quoi de foi. La foi qu'on a. Parce que généralement, les trois, la foi marche avec tout ça. Amen. On vous dit, chaque personne, chaque chrétien doit être utile dans la maison de Dieu. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Les choses se passent, Dieu même peut te parler. Alors que Dieu n'est pas son serviteur, Dieu même peut te révéler les choses les plus cachées. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, le verset. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Les gens vous disent, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il a arrêté le verset. Ça, c'est le numéro de téléphone du Seigneur Jésus. Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Tu ne se limites pas seulement que te répondre. Mais il te montre aussi les choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça, Dieu. Quand il est présent dans la vie d'une personne, il te révèle les choses cachées. Amen. Les gens disent non, et dans les églises, maintenant, les gens sont dans les prophéties. En fait, les gens, c'est comme si on était dans le maraboutage. Le diable, c'est un facilitateur. Le diable, c'est un facilitateur. Il copie sur Dieu. Mais ça ne veut pas dire que chez Dieu, ça n'existe pas. Si ça existe. Amen. Amen. Jésus lui-même, qu'elle a dit à cette femme samaritaine, va me chercher ton mari. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, il a dit, femme, tu as eu raison de le dire. Parce que, non, parce que celui avec qui tu es maintenant, très bien. Comment Jésus a dit ça? C'est la parole de connaissance. Celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton. Tu as dit qu'elle est saint. Est-ce que Jésus vit avec elle? C'est la parole de connaissance. Amen. Vous comprenez? Jésus a manifesté ça. Et la Bible, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. On a vu l'apôtre Paul manifester Elimas qui l'a attaqué avec un esprit des ténèbres. On a vu comment l'apôtre Paul a discerné l'esprit qui se manifestait. On a vu aussi l'apôtre Paul qui a discerné. Dans Acte 16, verset 16, Acte d'Apôtre 16, verset 7, cet homme qui avait l'esprit de Python. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Quelqu'un qui a un esprit, qui n'arrive pas à savoir qu'il a un esprit, il y a un problème, frère. Parce que le monde est sous le contrôle de la puissance de Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui l'a dit, c'est que c'est le diable qui l'a dit. L'un ou l'autre. On m'a bien saisi? Les gens aujourd'hui sont dans les grands lots, ils ont le pouvoir occulte. Et parce que non, ils vont à l'église, ils ont d'autres pouvoirs. La source de ton pouvoir, si ça ne vient pas du Saint-Esprit, c'est satanique. Amen. Si ça ne vient plus de Dieu, le Saint-Esprit, ça devient ça. Ça devient satanique. N'oublie pas que le diable était avec Dieu. Dieu n'a pas arraché le pouvoir qu'il avait, il est parti avec ça. Donne ça à d'autres personnes. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit peut te donner des dons. Après de même parler avec quelqu'un, tu sais, c'est ça que le don de discernement est vraiment important. Parce que le collègue que tu as dans ton service, tu ne sais pas quel esprit l'anime. Comment, vous comprenez, les gens qui sont venus de l'Orient, qui ont détecté l'étoile, ce n'est pas les esprits. C'est de l'orientation. Mais ils avaient ce pouvoir de détecter les étoiles. Il y a des gens qui détectent les étoiles. Il y a des gens qui sont dans le cultisme, qui savent qui tu es. J'ai vu qu'il avait une chance, il va avoir tel contrat, qu'il détruit son contrat. Amen. Oui, le monde est terrible. C'est pour ça que nous devons être utiles par la puissance de Dieu. Amen. Nous devons remplir de la puissance de Dieu. Amen. Parce que dans les minutes du chien, il peut y avoir un incident grave spirituel. Amen. Chaque pas que vous approchissez est dangereux. Amen. Nous sommes dans un monde très dangereux. Chaque pas est très dangereux. Parce que vous ne savez pas les rencontres que vous faites. Vous ne savez pas, mais si Dieu vous ouvrait les yeux, vous
Vous allez dire waouh. Vous allez dire waouh. Et moi, ça voyait mes langues bizarres. Quand je sors, je voyais des esprits. Je dis non, Dieu, non. Là où, non. Où je vois quitter le venir au bureau, réfléchir moi-même, et puis des images bizarres, non. Hein. Mais oui. Parce que j'ai demandé au Seigneur à un moment donné, je voulais voir le monstre invisible, satanique. Alors j'ai eu des problèmes avec ça. À chaque arrêt, il y a des esprits. Frère, le monde est contrôlé. À chaque arrêt, il y a des esprits qui contrôlent. C'est ça, ne vous étonnez pas sur les accidents en tel cas. Et ça s'est répété dans tel endroit. C'est des esprits qui sont là, qui prennent le sang et tout ça. Il y a un monde, ce n'est pas loin de nous. C'est parce que nos yeux sont aveuglés. C'est parce qu'on ne voit pas. Sinon, c'est là. C'est notre Dieu tout, c'est là. Sinon, chaque homme, chaque enfant de Dieu est un ange. Moi, Dieu m'a déjà fait la grâce de voir ça. Amen. Sinon, tu es un ange. Amen. Tu as l'impression qu'il dort dans la maison et puis tu sens des frissons. Oui. Tu sens quelque chose. Ton ange t'a visité. Amen. Amen. Et ton ange vient à l'aurore. À 4h du matin, ton ange est là. Amen. Ah, c'est le secret que je te donne donné. Ton ange vient à 4h pour amener ta prière. C'est là que tu rentres dans le. C'est là que tu fais ton conseil d'âge. Il y a des gens qui dorment, tu te dis que quel conseil. C'est combien pour entrer le conseil d'âge. T'as ma guillon. 4h. C'est là l'aurore. Amen. Alors si vous avez affaire aussi à une situation où il y avait un rendez-vous à 4h, réglez le problème. Amen. Si quelqu'un vous règle le problème à 4 ans, on reviendra là-dessus qu'on va attaquer le combat spirituel. On va parler du combat spirituel, on va parler de l'aurore. C'est très important. Parce que le hasard n'existe pas. Tout est déjà réglé sur le plan spirituel. Ceux qui sont dans l'église disent, ils vont seulement avoir la connaissance des choses. Ils connaissent. Mais nous les chrétiens, nous sommes ignorants. Nous ne maîtrisons pas les choses. C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous ouvre souvent les yeux pour voir les choses. Amen. Amen. Vous marchez comme ça, il y a des gens qui vous donnent des flèches mystiques. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Moi, j'ai déjà vu une dame vomir l'âme. Elle a vomi l'âme. L'âme. Vomi l'âme. Vomi des cheveux. Des cheveux. Vomi des petits points. Vomi ça, le sang jusqu'à. Moi, je suis responsable. Jusqu'à ce que Dieu guérisse cette dame. On ne trouvait rien dans son ventre. On n'en trouvait rien dans son ventre. Mais elle avait des trucs mystiques et nous avons vu ça sortir d'elle. Comment elle a vu ça dans les funérailles? C'est pour ça qu'avant de manger, il faut prier. Il y a des gens, ils ne prient pas, ils sont donc. C'est manger. L'esprit de manger, c'est quoi? Le feu sur ta bouche. Les gens là, est-ce que vous manger? Reste tranquille. Quand ils sont étranges, par contre, vous les possédez. La Bible dit que tout est sanctifié par la prière. C'est pour ça qu'il faut tout sanctifier. Amen. Amen. Pour tout sanctifier, on te demande quelque chose. On m'a dit non, mais toi aussi, tu pries pas, tu pries surtout, mais c'est pour prier, c'est tout. Tout sanctifié. Parce que dès que tu pries, le Seigneur prend le contrôle. Amen. La chose. Amen. Amen. Tu peux recevoir les choses par ignorance. Or, l'âme que Dieu te donne, c'est la première. Amen. C'est la négligence de certaines personnes qui font qu'aujourd'hui, leur vie sont vulnérables. Parce qu'ils prennent tout à la légère. Ils négligent tout. Vous négligez tout, vous voyez les choses comme ça. Or, la vie n'est pas faite comme ça. Quand tu commences à vivre une vie, un combat spirituel, il faut t'apprendre à tout. Ma vie saisie. Il faut t'attendre à tout. Ça va? Amen. C'est ça qu'il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Amen. Il faut que Dieu nous parle. Amen. Il faut que Dieu te parle. Même si tu ne veux pas te parler audiblement, mais en rêve dans ton sommeil, ça peut être une vision que Dieu te donne. Amen. 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 Alors, donc, on va parler du ministère prophétique. Ça va? Amen. Ça va avec les dons déjà? Amen. On va revenir souvent, c'est ça. Amen. Le ministère est différent du don. C'est un Amen. Amen.
Ça va? On dit la prophétie, elle édifie, elle exhorte, elle console. N'est-ce pas? Alors donc Dieu ainsi parle à l'Éternel, Dieu parle à l'Église, elle édifie, elle exhorte, elle console. N'est-ce pas? Et Dieu s'adresse à son Église. N'est-ce pas? Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Celui à qui Dieu fait du bien ce matin, qu'il attend le Seigneur. Amen. Je vais vous faire rentrer dans une catégorie de dimension de ministère. Parce que nous sommes dans une église pentecôtiste charismatique. On a besoin de connaître le ministère apostolique, c'est quoi? C'est ce qui va être touché. Je vais parler de prophète. Je vous demande de vous parler plus tard. Ministère d'apôtre, ministère d'évangélisme, ministère de pasteur. Quand on dit un docteur, c'est quoi? Il faut que chaque ici puisse avoir cette connaissance-là. Amen. Et quels sont les dons qui accompagnent le ministère? Amen. D'accord? Amen. Nous prenons acte des 1 Corinthiens chapitre 14, ça va? Amen. Ça va? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur? Amen. Amen. C'est important de connaître des choses et tout ça. Amen. À partir du verset 1, je vous donne pasteur. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 14. Si vous y êtes dans la lecture. Allez, Babi. Recherchez la clarté. Aspirez aussi au don spirituel. Recherchez la charité et la clarté. Ah, recherchez la charité. Très bien. Aspirez aussi au don spirituel. Il dit quoi? Il dit aspirez. Vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce mot-là? Il dit aspirez. Il faut désirer ça. Ça dit tant que tu le désires, il dit aspirez. Moi, je prends un exemple. Une femme, elle prend l'argent, elle va au marché. Arrivant au marché, c'est pas elle qui décide de faire sa sauce. Hein? C'est comme ça, avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Si tu penses que le ministère, les dons de prophétie, tu aspires à ça, c'est ce qu'il a mis dans ta vie. Il dit, aspirer. Pourquoi? Aspirer au don spirituel. Il dit aspirer au don spirituel. Ça veut dire vous recherchez ça même. Il y a quelqu'un qui cherche, recherche ça. Il y a quelqu'un qui cherche. Ça va? Amen. Aspirer au don. Amen. Spirituel. Et on poursuit. Mais surtout à celui de prophétie. Prophétie. Amen. Mais surtout à celui de prophétie. Amen. Et dit surtout à celui de la prophétie. Pourquoi? Pourquoi? La question reste posée, c'est pas ça? Hein? Pourquoi? Parce que la prophétie, ça dit la prophétie, c'est un message, ça dit comme le porte-parole de Dieu. Amen. Ça dit Dieu utilise ton corps pour parler, ça fait du bien. Amen. Suis-toi sur la prophétie, allons-y. En effet, celui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc je vous ai dit d'abord, le parler en langue, donc nous parlons le parler en langue, c'est un parler en langue qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ok? On y va? Mais à Dieu. Mais à Dieu. Amen. Car personne ne le comprend. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il vit des mystères. Amen. Très bien.
arrive à celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Ça veut dire que Dieu s'adresse aux hommes. Amen. Il devient porte-parole, les messagers. Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. Il va. Il les édifie. Il les édifie. C'est pour ça que Dieu faut qu'il nous parle au travers de la prophétie. Amen. Il les édifie. Les exhorte. Il les encourage à exhorter. Les console. Il les console. Donc la prophétie fait les trois choses. On y va. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est ça? Il s'édifie lui-même. Très bien, il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Très bien, alléluia. Amen. Celui qui prophétise édifie l'Église. Vous comprenez? Celui qui prophétise édifie l'Église. Et je parle l'Éternel, tu es dans le micro, frère. Pour arrêter, je parle l'Éternel dans le micro, frère. Tu ne possèdes pas l'église dans le métro, on dit chicoté. Amen. Ainsi par l'Éternel, tu veux parler. Ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel dans le métro, frère. Amen. Amen. Dieu édifie l'église. Amen. Amen. Vous comprenez? Dieu édifie l'église. Ça dit Dieu construit l'église, il fait du bien l'église au travers des prophéties. Allons-y. Je désire que vous parliez tous en langue. Il a le souhait de l'apôtre Paul. C'est tellement important qu'il dit, je désire que vous parlez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisez. Il dit encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Très bien, il va expliquer. À moins que ce dernier n'interprète la langue. Pour que l'Église en reçoive de l'édification. Très bien. Parce que l'église, parce que quand tu parles en langue, celui-ci entre. L'église a reçu l'édification. Allons-y. Oui. Et maintenant, oui. Frère, mm-hmm. de quelle utilité vous serais-je mm-hmm. si je venais à vous parlant en langue. Très bien. Et si je ne voulais pas. Et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, mm-hmm. ou par prophétie, mm-hmm. ou par doctrine, mm-hmm. si les objets inanimés mm-hmm. qui rendent un son mm-hmm. comme une flûte ou une harpe mm-hmm. ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe. Mm-hmm. Et si la trompette rend un son confus qui se prépare au combat, de même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte. Très bien, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, le verset 31. Le verset 31. Le même chapitre. 31-32. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Amen. Le 32. Les esprits de prophétie. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. La soumission, je vous apprends. Soumission. Obéir. Non. Se soumettre, je veux vous obéir, c'est vrai. Obéissance, c'est bien. C'est pas mauvais. On dit un esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire que si j'ai la prophétie, voilà, l'esprit là, je peux maîtriser ça. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, Dieu me donne cette capacité de maîtriser ça. C'est ça qu'on dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Prophète lui-même. Amen. Amen. Alors, donc, dans cette dimension, je vais parler du prophète. Le prophète, c'est quoi, en un mot? Le prophète, c'est un messager de Dieu. Voilà. Un porte-parole de Dieu. Quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Qui donne le message de Dieu. Quelqu'un que Dieu a choisi. Dans le secret.
pour l'utiliser afin d'apporter son message. Amen. Pas seulement qu'à l'église. On parle plus de prophétie. On parle de ministère. Vous comprenez? On parle de ministère. Donc ce n'est plus un don, ça devient un ministère, un service. Alors Dieu peut l'utiliser. Non seulement ça pour l'église, encore pour la nation, pour un peuple, quelque part. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. 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 Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Alors, quand est la dimension du ministère, c'est vrai qu'on peut commencer par les prophéties. On peut commencer par les prophéties. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Par les prophéties. Et puis, si Dieu fait grâce, tu peux même avoir le ministère de prophète. Mais pour atteindre cette dimension, c'est beaucoup de sagesse, comme je disais la dernière fois, beaucoup de sagesse. Et il faut aussi, n'est-ce pas, avoir la maîtrise de soi. Il faut savoir, n'est-ce pas, communiquer le message de Dieu. Amen. Ça va? Amen. Il faut savoir communiquer le message de Dieu. Le message de Dieu. On a vu le prophète Nathan face au prophète, au roi David. Comment le roi David a pu intervenir, comment Nathan, avec beaucoup de sagesse. Amen. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Est-ce que le message vous fait du bien? Amen. Je suis en train de vous faire entrer dans une autre dimension. Amen. De la vie de l'Église. Amen. Alors, un prophète, c'est celui qui est doté, n'est-ce pas, d'un don, en fait, d'un service, un ministère. Et Dieu t'utilise en fait de pouvoir édifier, faire du bien. Tu peux avoir un message pour une nation. Tu peux avoir un message pour un peuple. Là, on n'est plus dans le don de prophétie, mais on est dans le qui. Et dans le ministère prophétique, le Seigneur va commencer. Il va commencer à te parler même dans les rêves. Ce n'est plus maintenant un rêve, c'est ce qu'on appelle les songes. Amen. Amen. Tu vas voir que. Et si vous voulez, demandez au Seigneur s'il vous donne un message et que ça soit un message très clair. Amen. Avec beaucoup de précision. Donc Dieu travaille avec les prophètes avec beaucoup de précision. Ça dit qu'il faut beaucoup de précision. Amen. On m'a bien saisi? Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Voilà. Si vous devez communiquer, cette fois-ci, en tant que prophète, ce n'est même plus prophétie. Quand même à la maison, tu peux me recevoir le message. Ça, ce n'est plus prophète, hein? Ce n'est plus prophétie, c'est le ministère prophétique. Qui fait que même à la maison, tu as un message pour quelqu'un. Que Dieu te donne un message pour quelqu'un. Et le message que Dieu te donne pour cette personne, il te donne aussi la capacité, cette sagesse de pouvoir communiquer le message. Amen. Un message de cette. Bon, un exemple, Raymond. De toi, tu as message de Raymond, tu dis, et tu viens, toi, Raymond, là, toi. Amen. Le Seigneur dit, mon frère, amen. C'est un problème. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a dit que toi, tu es têtu. Tu touches ta tête. Tu touches toi, Raymond, têtu. Mon frère, ton ministère, moi-même, demain, sans doute. Parce que Dieu même est beaucoup sage. Quand il va vouloir te parler, il va vouloir parler avec beaucoup de sagesse. Il va vouloir parler avec beaucoup de sagesse. Parce que Dieu, c'est l'incarne, c'est la sagesse même, incarnée. C'est l'incarnation de la sagesse. Alors, quand tu as un message pour quelqu'un, tu n'as pas besoin de passer par tierce personne. Mais bien compris, amen. Si Dieu te donne un message pour peut-être pour Raymond, tu n'es pas obligé de passer par Yves pour donner le message. Parce que Yves n'a rien à voir avec le message. C'est Raymond qui a besoin du message. Alors, tu n'as pas besoin de douter de comment Raymond va prendre le message. Ézéchias et Esaïe reçoivent le message d'Ézéchias. On dit qu'Ézéchias va mourir. Il n'a pas cherché à savoir comment il va recevoir le message. Il est venu lui dire, ainsi par l'Éternel, tout dans Isaïe 38, le Dieu me dit que tu vas mourir. Point. Comment il va prendre, ce n'est pas son problème. Alors quand quelqu'un dit qu'il a un message vous concernant, et puis la personne passe par telle personne, par une autre personne, mettez déjà le message en doute. Pourquoi? Parce que d'abord, Dieu d'abord va respecter votre intimité. Vous comprenez un peu? Ça va? Est-ce que le message vous fait du bien? Amen. C'est bien pour comprendre. Amen. Amen. Pourquoi Dieu ne lui parle pas? S'il a vraiment un problème nous concernant, c'est que lui-même déjà, la prophétie, le message que tu as concernant l'individu, Dieu déjà prépare son cœur. Après que ce que tu viens de dire, il valide, oui, Dieu m'a parlé. Amen. Vous comprenez? Amen. Ça va ensemble.
Parce que je n'ai pas dans l'individu. Alors, donc, si tu dis que tu as un message pour moi, et puis moi, je comprends pas le message, tu m'imposes pas ça. Je suis désolé. Non, si toi, les Seigneurs t'ont parlé, c'est toi qui as parlé. J'ai dit Dieu. C'est toi qui m'as donné le message. Tu me dis amen. Amen. J'ai dit le message parce que tu as ton point d'examen. Examiner cette prophétie. D'accord? Alors, donc, quand tu as examiné la prophétie, tu dis non, viens écouter. Quand tu dis ça ne me concerne pas, maintenant, si vraiment tu refusais le message, Dieu passe par un inconnu. Pour te ramener, avec quelqu'un que tu ne connais même pas, pour te ramener le même message. Ça va? Amen. On a bien compris? Amen. Si tu as un objectif à tel, ce n'est pas pour que tu discutes avec lui, pour que ce message passe. Vous comprenez? Pour que son message passe. Alors, quand tu fais un message de quelqu'un, ceux qui veulent dans le ministère prophétique, il ne passe pas par quelle personne. Il y a beaucoup de sagesse, si tu veux. Il y a des gens qui aiment bien trembler. Non, on dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il y a déjà le message que les serviteurs trembler. Tu l'as déjà. Hein? Amen. Amen. C'est pas parce que tu as tremblé. Mais ça dépend de ceux qui ne veulent pas donner le message. Quand tu ne veux pas livrer le message, le Seigneur touche au. Ça dépend. Amen. Il ne faut pas exclure ça aussi, cette option-là. Voilà. Mais avec beaucoup de sagesse, on vous dit, avec beaucoup de sagesse, Dieu va t'utiliser avec beaucoup de sagesse pour que celui qui doit recevoir le message reçoive le message avec. Pour dire, ah, finalement. Quand Nathan a parlé à David, il parlait de sa situation de vie après, David a validé, il a dit, Dieu m'a parlé, c'est reparti. N'est-ce pas? Amen. On va bien saisir. Amen. C'est pour ça que Dieu, il y a une école de prophètes. N'est-ce pas? Amen. Dieu prépare tout. On leur demande au roi. Je vous enseigne sur les choses prophétiques pour que vous puissiez comprendre. On leur demande au roi le chapitre 2. Chapitre 2. Ça va? Amen. Je t'en acclamer le Seigneur. Jésus. Alors, le chapitre 2, allons-y. Oui, chapitre 2. Allons-y. Le début. Oui, tout le chapitre. À tout le chapitre, d'accord. 2 Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fut monté, Élie, au ciel, dans un tourbillon, Élie partait. On parlait d'Élie ici. Élie, c'est l'homme qui a manifesté plus d'onction. Élie, le prophète de feu, ce prophète-là, il n'a pas connu la mort physique. C'est de la mort physique. Il y a eu Enoch. Dans l'Ancien Testament, et pour nous pas bénir. Vraiment, hein, c'est vraiment pathétique. Hein, c'est. Ils n'ont pas compris la mort physique. Allons-y. Lorsque l'Éternel fit monter Élie. Pour vous faire comprendre quelque chose, oui. Dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Il partait avec Élisée. Élisée était le fils spirituel de. Hein? Élie. Donc Élisée apprenait plein d'Élie. C'était une école, il communiquait. Montrer comment il fallait partager, mettre un bon prophète, voici, lui donner des messages. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et son âme est vivante. Je ne te Vous allez comprendre pourquoi Élisée dit qu'il ne quitterait pas, il ne va pas quitter son maître. Allons-y. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Mm-hmm. Les fils des prophètes. Bethel veut dire quoi? La signification de Bethel, c'est quoi? La maison de Dieu. Qui a dit ça? On acclame le Seigneur, oui. Maison de Dieu. Amen. Je dis maison de Dieu. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sont. On dit les fils des prophètes qui étaient à Bethel. Sortis vers Élisée. Sortis. Vers Élisée, son élu voit Élisée. Regardez. Elle lui dit. Sais-tu que l'Éternel. Est-ce que Élisée, tu sais que. L'Éternel enlève aujourd'hui. Est-ce que tu sais que aujourd'hui. Ton maître au-dessus de ta tête. Est-ce que ton maître, tu sais que ton maître est là aujourd'hui. Regardez la réponse d'Élisée. Et il répondit. Il répondit. Je le sais. Est-ce qu'on va t'amener, Seigneur. Taisez-vous. Vous voyez. Ça dit. Il savait.
Amen. Donc il savait, donc ça dit un message qui était destiné, Dieu déjà te donne le message. Ils sont venus lui dire, mais si tu sais que le maître, ton maître va y aller, mais il sait ça déjà. C'est pour ça qu'il a résolu, c'est pour ça qu'Élisée a dit à Élisée, Élie, je ne bouge pas, je vais te suivre. Parce qu'il savait. Il savait que Élie, son maître, devait t'enlever. Alors d'autres personnes viennent lui donner le message. Vous lui dites, mais tu sais ce qui se passe dans le spirituel? Ton maître s'est enlevé. Élisée dit, je sais déjà, frère, un message que Dieu t'a destiné. C'est-à-dire bien de ça que Dieu t'envoie, il prépare déjà ton cœur. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Ça va? Amen. Il prépare déjà ton cœur. Quand le message sort, quand nous, tu es touché. Tu es touché. C'est-à-dire, une fois j'étais touché à l'église, dans mes débuts, par une prophétie, parce que je sors, j'ai pleuré, prié, pleuré, et dans la prophétie, ça m'a tellement touché que j'étais convaincu que le message est à moi. Vous comprenez? Amen. Quand Dieu veut te parler, prépare bien ton cœur. Ça va? Amen. 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 Que Dieu nous utilise. Amen. Amen. Pour qu'il arrive à nous utiliser. Ça, c'est pas important. Que Dieu arrive à nous remplir de sa présence. Amen. Pour que nous soyons connectés aux choses spirituelles. Amen. Aux choses spirituelles. Amen. Que Dieu nous parle. Élisée n'était pas différent. C'est-à-dire, Dieu, non seulement ça envoie un message, mais il avait déjà dit à Élisée que ton maître, je vais l'amener. Il était déjà prévenu. C'est-à-dire, Dieu ne peut rien faire sans toi, sans qu'il te donne quelque chose. C'est ça un peu la grâce prophétique. Que dans une nation, Dieu va vraiment te parler de la nation. Amen. Les choses qui vont arriver dans la nation, Dieu te parlera de ça. Et les choses qui vont arriver, Dieu va te parler. Peut-être sur toi, c'est ça qui est important. Que même dans ton rêve, dans ton sommeil, que ce soit des moments de révélation. Amen. Amen. C'est pour ça que par moments, quand vous voulez aller dormir, ne regardez pas les choses qui vont perturber, les trucs, les films d'horreur, les choses. Si, ça, c'est pas bon pour le prophétique. Parce que le cerveau capte tout ça pour faire des choses. Il y a des films où évitez, amen, restez dans la présence de Dieu et dites au Seigneur de vous aider. Et c'est pour ça que le message prophétique aime la tranquillité dans l'esprit. Amen. Oui. C'est pour ça que les prophètes allaient vivre dans le désert. Ils n'étaient jamais parmi le peuple. Regardez la vie des prophètes, ils étaient toujours dans le désert, loin du peuple, donc loin des bruits, pour que l'esprit soit bien disposé. Amen. Amen. Ou pareil, parce que l'esprit saint aime bien ça, n'aime pas être attristé par les soucis de ce monde. Amen. Amen. Ça va? Je suis en train de vous préparer au ministère. Ça, c'est l'introduction du message. On se tient debout. Et puis, on commence à prier. Ça va? Amen. 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 C'était les dons spirituels. Aujourd'hui, on a parlé carrément. J'ai introduit sur le ministère prophétique. Et j'ai seulement dit, dans le ministère prophétique, le prophète, c'est un instrument de la main de Dieu. Quelqu'un que Dieu utilise, n'est-ce pas, afin de pouvoir faire passer son message. Amen. Amen. Alléluia. Chacun d'entre nous a besoin, quelque part, de la main de Dieu sur sa vie. Chacun d'entre nous a besoin, n'est-ce pas, que le Seigneur visite. Chacun d'entre nous a besoin d'une grâce particulière de Dieu dans sa vie. Et tout compte fait, quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu puisses le servir. Sauver ou servir. Alors il faut que Dieu te révèle aussi les choses les plus cachées de ta vie. Voilà, il ne faudrait pas que les choses souvent te surprennent. Voilà, moi je t'appelle à cette révolution là. Voilà, que tu sois révolté pour dire non Seigneur, par moment il faut que tu me révèles les choses les plus cachées. J'en ai besoin. Il faut que Dieu nous révèle aussi les choses les plus cachées. Les choses qui sont les plus cachées, il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu t'explique les choses. Il faut que... Ça, c'est important. Et la Bible dit, aspirez aux dons. Vous comprenez? Est-ce que vous m'avez saisi? La Bible dit, aspirez aux dons. Il dit, aspirez. Donc, si tu veux, Dieu te donne. Si tu es prêt, Dieu te donne. Il dit, aspirez. Amen. Tu veux le Seigneur t'équipe. Ça va? Le message vous a fait du bien? Nous sommes acclamés le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous êtes tous assis. Quand vous êtes assis dans les choses de l'esprit, quand vous êtes tellement assis dans les choses de l'esprit, vous êtes en paix avec vous-même. Quand vous avez une révélation, vous avez le discernement. Si ça vient de Dieu ou si ça vient des hommes, vous avez le discernement. Ça va? On lève les mains. Commence à prier et dis Seigneur, moi j'aspire aux dons
j'aimerais que tu me bénisses aujourd'hui. J'aimerais que tu me fasses du bien. Prie ensemble, Seigneur. Yes. 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 On lève la main, chacun prie. Je demande une grâce particulière de Dieu sur sa vie. Je demande une grâce particulière de Dieu. Je demande une grâce de Dieu sur ta vie. La main de Dieu te touche maintenant et la grâce de Dieu te visite. Main, je prie que le Saint-Esprit vous remplisse maintenant. Recevez la gloire de Dieu sur nos vies. Recevez la gloire de Dieu. Recevez. Reçois la gloire de Dieu là où tu es. Recevez la puissance du nom de Dieu. Recevez. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la puissance du nom de Dieu. Reçois la gloire de Dieu.
dans la vie de sa communauté. Où ça, c'est venu? Comment tu prends? Non, c'est resté. Je suis sur les soulignes. Dieu, quand il guérit définitivement. Amen. Dieu, quand il guérit, vous voyez que la médecine est limitée et c'est Dieu qui guérit. Le plan, le médecin n'est pas soigné et c'est Dieu qui guérit. Je te déclare guéri dans tout ton corps et la puissance de Dieu remonte de ta tête jusqu'à tes pieds. Amen. Lève-toi. Allez, vas-y, plus fort. Vas-y. Voilà, vas-y. Allez, coupe. Voilà, je veux que tu coupes. Un peu plus fort, c'est fini ça. Très bien. Allez. Je dis de l'île de Père de Dieu. On acclame le Seigneur. Qu'est-ce que tu as dit à ton Dieu? Je dis que Dieu est mon protecteur. Amen.
Vous pouvez l'envoyer un peu d'eau. De l'eau, il a trop couru. Donnez la vue.